Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction que je voudrais faire. Ou bien l'ouverture. Alors, et nous à nouveau. Le thème, quand je suis allé jeûner devant le Seigneur, il m'a dit qu'on le donne toute la gloire. Il m'a donné Psaume 121. Il m'a dit, c'est avec son aide que nous pouvons réussir. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous réjouir parce que malgré nos faiblesses, il est là pour nous aider. Mais ce soir spécialement, comme le pilier ou bien la fondation, comment avoir le profit de cette rencontre? Comment avoir de bénéfices dans cette rencontre, dans cette semaine? Bien aimé, écoutez-moi. Tu peux aller quelque part plusieurs jours et tu reviens sans avoir de bénéfices ni profit. Il peut avoir de bons messages. L'onction qui circule partout. Les miracles. Mais tu peux quitter sans rien recevoir. Écoutez bien. Ce n'est pas le fait de d'être présent qui est nécessaire. Mais il faut certains choses. Très important. Donc, il faut une préparation. Sans préparation, tu ne peux pas accomplir. C'est pourquoi cette soirée, je veux bien que tu prépares ton cœur. Que le peu de messages que tu vas écouter, que tu maintiens cela. L'ennemi est toujours. En fait, lui, il n'est pas. Chaque fois, il fait rage, il cherche qui va dévorer, a dit Pierre. Très important. Et le devient donc. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'ai dit, c'était le dimanche, je disais à l'église ici que quand je suis, nous sommes invités quelque part, comme à l'étranger, des fois je ne mange pas. J'étais en Zambie en 2013, je n'ai pas mangé. Nous avons payé l'expulsion à la nourriture où on va dormir, $200. Mais je n'ai pas mangé trois jours, je jeûnais. Parce que je cherche quelque chose. Écoutez-moi bien. Dieu est là. Maoli. Dieu est là. Maoli. Il est prêt. Mais il faut certains principes. Il faut certains piliers pour que tu reçoives. La fin après. Dis amen. Amen. Et je sais que ce soir, Dieu va placer ses piliers dans tes mains. Et tu ne quitteras pas ici sans donner de témoignage. Que quelqu'un dise amen. Dieu n'appelle pas les gens pour rien. Non. Il appelle pour transformer. Il appelle pour changer les gens. Il appelle pour bénir. Il appelle pour que ce qui est mauvais dans ta vie soit enlevé. Oh, écoutez-moi. Dieu a rencontré Jacob. Et sa situation a changé aujourd'hui. Je déclare, mon Dieu va te rencontrer sur cette montagne. Ta situation va changer au nom de Jésus. Nous allons lire Ézéchiel 12. Verset 24 et 25. Dieu a dit quelque chose concernant sa parole. Ézéchiel 12. Verset 24 et 25. La parole de Dieu dit ceci dans ma Bible. Car
Il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël, car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur va accomplir sa parole dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus Nazareth, open comme. Et c'est qu'elle parle de ta vie, tu peux blâmer fort et n'y blâmer fort. Attends, et blâmer là. Et là, ben là, on te gâteau, tu vois, que. Ple à la pagna glory, magano Israël, après la main, azon o. Et là, ben là, Yehoua mené, Nyasi blomer là, avem. Et ma anoni et te pena jiji o. Mi promesse tôt, mi anoli ma vonia, si. Mi promesse tôt, mi anoli. Ma wanya si me blog la ji apeto Yehowa ye blé. Amen. Amen. Dieu dit qu'il va accomplir sa parole. Ma obe ya na pe nya feme. Mais le premier point pour voir accomplir sa parole. Da ka foru pe bon to pe nya wa feme. Tu dois avoir faim et soif. Chi komple do wa me la wo. De la parole. Na nya la. Le premier pilier. Sorti bon to. Dieu ne donne pas ce qui est précieux à n'importe qui. C'est lorsque tu es fatigué de la vie. Tu as soif. Tu as faim. Et Dieu vient vers toi. Jésus dit que ceux qui ont soif n'ont qu'à venir boire. Jean 7, verset 37. Jean 7, 37. Ceux qui ont soif. Ici, ce n'est pas l'eau naturelle. Ce n'est pas la nourriture naturelle. Mais avoir soif de Dieu. Il est écrit. Heureux. Ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jacob dit à l'ange, ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu ne donne pas ce qui est prêché à n'importe qui. Non. C'est lorsque tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Cette semaine, ce n'est pas question d'aller prendre les appels au dehors quand on t'appelle sur ton téléphone. Tu peux l'éteindre. C'est pas des fois quand nous allons à la réunion pour quitter, pour aller pisser même, parce que peut-être en sortant pour aller pisser, c'est là que ta parole va sortir, tu n'es pas là. Et ce avec tu as besoin d'une seule parole, bah, en même temps, tu es délivré. Mais ce temps, tu es sorti. Quelqu'un a besoin de toi. Tu es parti au WC quelque part. La parole est sortie. Mais je déclare dans cette semaine, tu ne sortiras pas. Tu vas voir ce que tu cherches. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous en prie. Non, non, mais de beaucoup d'amis. Peut-être que tu n'es jamais venu ici, aujourd'hui tu es venu. Et avant de venir ici, c'était difficile pour toi. Mais tu es venu. Le Seigneur va te rencontrer. Je dis, le Seigneur va te rencontrer. La première chose, la deuxième chose, tu feras que tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Et nous, veillez ce qu'il y a, mais pour nous, il ne le voit. C'est la distraction. Qu'est-ce que j'appelle distraction? Tu peux être ici, mais tu n'es pas là. Je m'explique. Je peux te voir ici, mais tu n'es pas là.
Dieu pense sur tes affaires, comment est-ce que vous devez vous raconter normalement, et tu as quitté les affaires là, alors qu'il y a de l'argent là-bas, et ta pensée va partout, même à la maison, mais Dieu est présent devant nous. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu n'es pas là en esprit, dans la chair, dans ton âme, tu ne peux pas recevoir quelque chose. J'appelle ça distraction. Les appareils sont des distractions. Les murmures sont des distractions. Dieu a fait deux oreilles, mais les deux oreilles n'écoutent pas deux paroles à la fois. Dieu a fait deux yeux. Les deux yeux ne voient pas deux choses à la fois. C'est pourquoi tu dois être focalisé. Mau on kwa veka keme nku vae kona nu de veji o mau o to veka keme to vae esena ne veji o e ya tamele yombe na mo chaka de gomini le tepe sakake le bale tamu bunkuro wa si sasanchita e hiabe le kosira sama le do la linku kan. Tu es fatigué. Et dit tes mots. Et tu as quitté quelque part. Il n'est tout la fiade. Les pensées de l'argent. Les sagas. Pour venir ici. Et ne va te même si tu viens de Lomé, tu as pris Zemidia, tu as payé. Oma Hilomé le tour le dos, Zemidia le refait. Il faut que tu reçois. Et n'y a pas d'accord. Mais tu as quelque chose à faire. Y a quelque chose à faire. Tu dois te soustraire de la distraction. Les lois des docus dans le mouchaka de demain. Nous étions partis quelque part dans un pays, c'est en Afrique de l'Ouest. Et le premier jour, et les gens sont partis pour acheter des choses pour amener au pays. Les gens, au lieu d'attendre pour voir ce qui se passe, pour écouter, tout le monde avait de l'argent pour aller acheter des choses, des choses, des choses, des choses. Les gens n'ont pas assisté. C'est au dernier jour. Le lendemain va quitter que les gens sont venus. Ce jour, j'étais vraiment. J'avais de douleur dans mon cœur. Vous voyez, Dieu est tellement que. Quand tu l'aimes. L'éloin là. Ce n'est pas question de. Quand tu l'aimes, il saura que tu l'aimes. Et c'est à moi maintenant de donner ce que nous avons reçu. Je donne, il faut copier, il faut faire ça. Ils sont partis acheter des choses. Yo, il va l'assistant, il appelle nous à Chokbo, va payer. Il va se nier, va conquérir maintenant, nous, il va faire des choses. Il va les copier, les bonnes. Ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Il va te focaliser. Tu dois te focaliser. Focaliser, c'est quoi? C'est regarder une seule chose. Le contraire de focus, c'est distraction. Si tu as quelqu'un qui te donne de distraction, il est ton ennemi de vision. C'est un tueur de vision. Ouais, tu ne peux jamais achever. Un philosophe dit on ne pousse pas deux lièvres à la fois. Now, écoute, qu'est-ce que tu as dit à Dieu à la maison avant de quitter? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je pense que tu as dit quelque chose. Je ne peux plus venir ici, revenir comme ça. Voilà Seigneur. Peut-être que tu n'as rien dit. Ce n'est pas bon. Être focalisé. C'est ouvrez vos Bibles. Matthieu 6, 22. Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Matthieu, pas quoi le tadien, puis blave vove. Et globe, ameble bola fe akari enyenku. Ne won kuji jala, wo ameble bola kata melako. Amen. Amen. L'œil. Nku. C'est deux yeux, mais on voit une seule chose. Dieu a posé la question à l'évêque David Depo, mon mentor, il lui a dit, est-ce que tu peux voir, tu peux prendre tes deux yeux pour voir le fond de la bouteille? Il dit non. Et il dit, le jour où tu vas regarder les gens et me regarder aussi, je te laisse. Bébé, nanamo, pom, anonyma, pom, ha, ma blodi.
J'ai appris beaucoup de choses. Mais sinon, nous guérir. Dans ces paroles-là. Les le jour où tu vas regarder, tu vas prendre pour regarder les gens. Mais, bah, en même temps, tu me regardes aussi. Et nous, je te laisse aux gens. C'est là qu'il a changé en même temps. Aujourd'hui, dans le monde entier, personne n'a de l'argent comme ça. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Mais notre Dieu a deux principes. Tu dois connaître ses principes. La Bible dit, Abraham a marché avec Dieu. Abraham a marché devant Dieu. Mais Lot a marché avec Dieu. Et Lot est parti. Donc il a eu une chose de marcher devant Dieu. Dieu lui dit, marche devant moi, tu seras intègre. Je te prie, mon frère, ma soeur, malgré ce que tu traverses, tu es venu devant le Dieu qui donne des solutions à tout le monde. Et tu auras ta solution au nom de Jésus. Luc 9, 62. Luc 9, verset 62. La parole de Dieu dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Luca Pagbale caché que Pipi Bladin va en faire globe. Que Yesu glonne bena. Ame si cho e pasi dare koji eye wogale megbe kwamla meje mau fiarupela la o. Amen. Amen. Deuxième pilier, c'est-à-dire troisième. Et sorti felia le ton lia. Pour pouvoir recevoir dans cette semaine. Benate honu le kosira si amen. C'est la puissance de l'espérance. Et il n'y a pas de quoi faire nous sain. Proverbe 23. Verset 17 et 18. Proverbe 23, verset 17 et 18. Que ton cœur n'avise point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Votre espérance ne sera jamais anéantie. Vous allez réussir au nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Dis Amen comme un enfant de Dieu. Amen. Lododo pagbale tabla vevo eton pipi wi andre ile wi eni eglobe oji mega panu nu von la o ke bon ne panu Jehovah von von yawo kata yi van van ye yi li gbona e ye wo mo popo ma su jojuro o. Amen. Amen. Je prophétise dans cette semaine ce que tu espérais des années. Maman vient de dire que peut-être c'est un mois que toi tu as reçu Jésus ici. Même le dimanche prochain, les gens ont reçu Jésus. Tu fais partie de la bénédiction de 25 ans. Tu n'auras jamais honte. Ton espérance ne sera jamais anéantie. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. N'aviez pas les pécheurs. Les pécheurs qui ont de raccourcis pour avoir les choses, ne les aviez pas. Asaf dit qu'il veut envier les pécheurs parce que les affaires sont robustes, ils mangent bien, ils sont gros, ils ont de l'argent. Mais si vous continuez la lecture, dans Psaume 73, quand Asaf parlait des riches, des richesses des pécheurs, Dieu lui a dit quelque chose. Il dit, ah, donc, je veux rester devant Dieu au lieu de les envier. Bien-aimé, ce que Dieu a dit de toi, rien ne peut l'arrêter. Dis Amen très fort. Amen, c'est... Alléluia. Amen. L'espérance. Mon papa. Écrivez. Mingolonu. L'espérance donne naissance à la foi. Mon papa, Gina José. Quand tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas la foi. Même si les choses sont gâtées, les gens disent c'est fini pour toi. Si tu peux espérer, si tu peux espérer, tu seras surpris. L'espérance, ça fait que ta foi serait vraiment fortifiée. L'espérance. Les gens peuvent parler négativement. Les gens peuvent
Écoutez, écoutez. Midoto. On est venu dire à Jésus. Yesu celui que tu aimes beaucoup est malade. Amele lona la el jedo. Jésus mange dans la maison, dans la ferme de Lazare, et Marie et Marthe. Jésus mange là-bas. Ils sont ses amis. Mais il n'est pas parti pendant 4 jours. Il est mort 4 jours avant d'aller. Yesu dunanule Lazaro Marta kle Maria fe kofe me gake ele doye wo kun keke ne so Yesu me yon keke ne gwa gba fi o vayi Bien aimé, si c'est toi. L'olotonenye were. Mais il a dit quelque chose. Gake gbo nyade. Ce n'est pas une maladie de mort. Mais nyen ku do le mo le o. C'est pour glorifier Dieu. Bo aka fun ma o. Je déclare. Mais de gbeba. Ce que tu traverses là. Nu me ton élément. Ce n'est pas la mort. Mais nyen ku ye o. Ce n'est pas la mort. Mais nyen ku ye o. C'est pour glorifier le Seigneur. Et dans cette semaine. Le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ben comme. Asseyez-vous. Mi bobo noani. Mais finalement il est mort. Voya te peu mais ku. C'est pour glorifier Dieu mais il est mort. Il a dit aux disciples. Notre frère Lazare dort. Et je m'en vais pour le réveiller. Les disciples disent merci, il faut le laisser dormir. En bonne santé. Jésus dit, il est mort. Bien aimé. Si c'est que Lazare est malade. Et Jésus est parti prier, il est guéri. Les gens ne vont même pas apprendre quelque part que Jésus l'a guéri. À moment, c'est la fière en toi, Jésus y a de haut. Mais si vous lisez Jean 12, les gens ont quitté partout pour venir voir. À Mojo, la fio katava be avant quoi? Ce Lazare qui est ressuscité. Lazare au masque font le titrement. Même les ennemis de Jésus. Jésus peut foutre encore à Ova. C'est pourquoi des fois, quand tu traverses une situation, au lieu de te plaindre, Dieu veut que le témoignage soit colossal. Et dans tes semaines, ton témoignage serait colossal. Dans le nom de Jésus. Il a dit encore à ses disciples au sujet de le jeune qui est né aveugle dans Jean 9. Est-ce que c'est le père de ce jeune bien le jeune qui a péché avant qu'il ne soit aveugle, né aveugle? Jésus dit non. C'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous savez ce que ce jeune là, il n'avait pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas les yeux. Les deux yeux là, il n'en a pas. Il est né sans Dieu. Et de capima au jinkwa gbatwe me po nu po o. Me ni be nkwa gba nku me le ne o. Anku to me le si o. Nku ya mulo, fi mulo. Mulo. Nyana pa. C'est pourquoi Jésus a pris la boue. Et ya Yesu choba. A craché sur ça. Et tu t'arrêti. Parce que l'homme est formé par le sable là. Elle a ba megbeto e ke wo towe. Et il lui a passé ça là. Il n'y a pas Dieu. Elle a un coup de kentom le fimane. Il va te laver à Siloé. Yo globe ne veut le chile sur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il est né sans Dieu. C'est pas qu'il a vu, il n'a pas Dieu. Il n'en a pas. Mais li o. C'est un trou qui est là-bas. Et doré qu'on ne peut pas. Rien. Et yo tire, il n'en est que me la fima. Avec Dieu. Ple mawa. Tout est possible. Nous sommes nous les babouins. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus pour recevoir de Dieu. Mais nous avons un grand rôle à jouer. Il faut espérer. Quelqu'un a bestaïda pendant 38 ans. Et Jésus est parti là-bas le jour de sabbat. Est-ce que tu veux être guéri? Il a commencé par dire ses problèmes. Non. Il dit, lève-toi, prends ta natte et va à la maison. Quatrième point. Tu dois écouter le serviteur de Dieu que Dieu va utiliser pour te donner la parole. Personne n'a jamais vu Dieu.
Peut-être ce que tu vas écouter, tu as déjà écouté cela à maintes reprises, mais la parole de Dieu est toujours renouvelée. Donc j'ai dit, crois à la déclaration prophétique de ton prophète. Déclaration prophétique. La personne était ici le matin. En prière. J'ai dit quelque chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Après, j'ai reçu certaines personnes. Et un frère me dit, quand tu as déclaré ça, bon, il est venu quelque part et il me dit comment est-ce que les choses sont passées là-bas. Il dit, quand tu as déclaré ça là, nous sommes deux seulement, nous, que nous nous sommes levés ce jour-là. Deux personnes, nous nous sommes levés. Dans l'église, deux personnes. Et Dieu a fait des choses dans sa vie. Il y a une chose de prêcher. Il y a une chose de déclarer. Écoutez-moi bien. Peut-être c'est aujourd'hui que tu es venu ici. Une bouche fermée. C'est fermer son destin. La bouche n'est pas faite seulement pour manger. C'est pour déclarer. Donc si tu crois à l'homme de Dieu, comme il est écrit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec sagesse. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a appelé Abraham? Ou bien celui qui va passer ici. Et que tu crois en lui là. Et ne crois tu te lèves, tu dis amen, tu reçois. Tu as globé amen à quoi? Ouais, devant Dieu. Ce n'est pas que je connais la parole de Dieu, non. Ce n'est pas que j'ai de l'argent, non. Ce n'est pas que moi j'ai voyagé. Non. C'est quoi d'habitude? Les philosophes, les scientifes, beaucoup de personnes perdent. La puissance de Dieu, mais la présence de Dieu parce qu'il ne croit pas. La parole de Dieu dit, il a demandé à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Quand je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 11. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de Dieu dit, Dieu confirme la parole de ses envoyés. Esaïe 44, verset 26. Esaïe 44, verset 26. Dieu confirme la parole de ses envoyés. Un jour, Paul prêchait dans Acte 14. Et on a amené un paralytique devant. Il est né paralytique depuis la naissance. La Bible dit, quand Paul prêchait, le monsieur a fixé son regard sur Paul. Et la Bible dit, quand Paul savait qu'il a de foi, de la foi pour être guéri, il s'est approché et dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'est levé, il a commencé à courir. Et la Bible dit, Paul s'est levé comme un bena, nous tous y a deux horses, il y a quoi de yo. Paul s'en est dit, nous m'a dit, tu le vois, il dit, et nous m'a dit, tu ne pas fait du quoi. Alléluia. Amen. Il a envoyé sa parole les a guéris. Donc quand tu veux voir de, recevoir de percer, tu dois fixer ton regard sur l'homme. Hello. Fixer ton regard sur l'homme. Je m'en vais quelque part, quand les enfants, les gens prêchent, même quand j'ai mes diacres ou bien quelqu'un prêche ici, je me lève. Si ça m'a touché, je me lève. Je reçois ça. C'est moi qui ai prêché, il prêche ce que j'ai prêché, j'écris. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne quittera ici sans donner de témoignage au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent être vivifiées? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui le Ézéchiel sais. Et Dieu dit, prophétise. Blognadi. Et quoi qu'a dit prophétise? Amarine globe blognadi. Et quoi qu'a dit prophétise? Globe blognadi. Quand Ézéchiel a regardé les yeux, est-ce que Ézéchiel quoi? Je ne sais pas, c'est toi qui vas dire.
Dieu dit prophétise. Il a prophétisé. Vous connaissez l'histoire. Ézéchiel 37. Les eaux sont vivifiées. Donc, quand la prophétie, la déclaration prophétique sort, tu sais que c'est pour toi. Ne regarde pas que c'est pour Kojo. Non. C'est moi. Et tu viendras déclarer, donner témoignage que quand le pasteur a dit ceci là, tu sais que c'est pour moi. Et j'ai fait ceci, et voilà, j'ai la réponse. Alléluia. Amen. Et à trop bova valida, ça globena, bego, sauf au glonia, c'est là, mais Juana de Cunier la bétonnier, et bega, c'est dit, me valegbea. Mais petit A, tu dois croire à ce prophète, tu dois croire à ce pasteur, tu dois croire à cet évangéliste. Gake, tu dois croire. Gake, à quoi vit ce toigne bena, le roula honia gloéla magise, le roula homonia kakala magise, le roula ho sofo magise. La parole de Dieu dit, ma honia globe. Si vous croyez à Dieu, nemi homma ou vous serez affermi. Nyali ke ceci. Mais si vous croyez à vos prophètes, nemi homia honia gloéla dise là, vous allez réussir. Et nous, adjeji la réussite. Et nous, adjeji namé là, ce n'est pas avec Dieu. Mais le pakle ma ou. Écoutez bien. Miro la réussite. Et nous, adjeji namé. Ce n'est pas avec Dieu. Mais pakle ma ou. La réussite. Et nous, adjeji namé. Avec ce qui parle dans tes oreilles. Pour prendre auto mais. Ça fait celui que tu écoutes. Que tu reçois la parole. Et dans cette semaine, le Seigneur va toucher tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu crois en Dieu, tu seras affirmé dans la foi. Mais pour la réussite, celui que tu écoutes. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs sur les internets, les réseaux sociaux, partout. On ne sait plus qui est R.I., mais c'est grave. Ne sois pas un enfant bâtard. Il faut avoir un père. Tu vas l'honorer. Vous savez, Dieu est un père. Hello. Nous avons trois pères. J'ai eu la grâce d'écrire un livre, La double portion du Père. Pardon, la double portion de l'onction. C'était au Bénin 2014. Le Bénin, le parc, avec le bien-aimé. J'ai enseigné à l'école de ministère. Les pasteurs. Et le pasteur qui m'a. Que j'ai invité du Ghana, il est venu enseigner avec moi. Et arrivé à l'hôtel, il m'a dit, pasteur, tu dois mettre ce que tu as enseigné dans un livre. C'est très important pour nous les pasteurs. Surtout dans nos pays francophones. En même temps, arrivé à l'hôtel, je commençais par écrire. Le livre est fini, j'ai fait sortir ça, 1000 copies, c'est fini. Mais bon nombre de nous ne comprenons pas. Le Seigneur va nous aider. Tu dois l'honorer. Dieu honore les pères parce que lui-même, il est père. Comme ça. Il est père. Malachi 1, verset 6. Malachi pas le tag, man pipi à terre. Malachi 1. Malachi pas le tag, man. Verset 6. Et puis, un matin. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Amen. Malachi pas balé tagman puis Adam et globé vidé à bout de fou. Et il clouvi diabou, et peu apetonou. Minou non la si o doa vlo nye nkola. Ale Yehoa zebo glonami enye si. Nenye fofoe menye la, afika nye bubu lale. Nenye apeton menye la, afika vovon si le nou nye lale. Et ye ne miye globe, nou ka miye tchot do vlo onkwe hala. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la question que Dieu pose aux Lévites. Yadienye si ama wana Lévivio. Tu vas honorer ton père. Yero la do bubu fofo. C'est pas avec la bouche. Ce n'est pas avec la physionomie. Au-dedans de toi-même. Alléluia. Amen. Très important. Et les vieux. Bon nombre perdent leur onction. Bon nombre perdent leur présence de Dieu. Ce que Dieu va les faire.
attendant, se promenant de lieu en lieu, alors que celui qui est devant toi, Dieu a mis des choses en lui afin que tu reçoives. Philippiens 1:7-8. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Philippe, tu as parlé de ta grâce, 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 tu as parlé de Mielenye jimelenye kosokoso ople nyanyela ta public pakple kakareji la me elabena mikata mienyenye hagome kola ole amenveve la me elabena mawenyenye dasedila alesi mikata miele duro yenvevie le Yesu Kristo pe dometotro la me amen amen. Tous les pasteurs aiment leurs membres. Osofo kata lonopera mevio. Paul est pasteur. Paul onye osofo. Regardez ce qu'il dit. Mais quoi nyaye wo kolada. Je vous porte dans mon cœur. Me chomine mie jime. Quand les gens de Macédoine lui avaient fait des offrandes dans Philippiens 4, il dit: et mon Dieu pourvoira à vos. Il n'a pas dit notre Dieu, non. Et ce sont ceux qui ont donné qui vont recevoir. Et mon Dieu. Mon Dieu, moi Paul, mon Dieu, pour bien-aimé dans le Seigneur, tu dois honorer celui qui te parle. Tu peux être plus riche. Tu peux faire l'université, n'a pas fait l'université. Tu es docteur, il n'est pas docteur. Mais il y a autre chose, si Dieu prend la personne, n'importe quelle situation, il le change tellement que il va te dire quelque chose, et ce qu'il va te dire sera accompli dans ta vie. Il peut enlever la mort de ta vie. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. C'est. Tu dois faire ce qu'il te dit. Tout ce qu'il te dit, faut le faire. Nous sommes ce que vous voulez. Jean 2, verset 5. Johannes va battre avec lui. Marie est partie dire aux doses. Marie, il est sur un kekadi. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Il est parti dire à Jésus: ils n'ont plus de vin, le vin est fini. Et il va bon à Jésus, mais Jésus dit: femme, qu'est-ce que j'ai entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon moment, mon temps n'est pas encore arrivé. Marie est partie dire aux gens: faites tout ce qu'il vous dira. Aïe, Yesu glona bena nyonu, nya kele nye kolo odome, nye kapopola me podo hade o. Aïe, Marie a yive gona nusro lo bena, miwo nya yo kata wa gona milaji. Et Jésus dit: aïe, Yesu be. Versez de l'eau dans les six jars. Mi kuchi wa dozo. On demande du vin, lui dit: versez de l'eau. O le wen biam, aïe, abono kuchi dozo. Après, il dit: usez le vin là et donnez à celui qui est sur la nourriture. Mais comment il a nan nous dit pas là? Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'autre là, faites la main. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais bon, nous sommes ce que. Même si c'est difficile. C'est pas sincère. C'est là, bon nombre échoue. Affirme Guéro le Guéguemle. Pierre a pêché toute la nuit. Petro dit dans sa blé bakata. Luc 5. Luc a pas bata. Il n'a rien attrapé. Elle est de Kéo. Jésus vient. Yesu va. Au lieu de dire fou, Jésus dit: donne-moi ton bateau, viens ta barque, je vais rester dedans pour prêcher l'évangile. Yesu benebe cho wa kula na manne ma glomonya. Dieu va te faire quelque chose. Il te fait d'abord un examen. Je veux que tu écoutes. Il te fait un examen d'abord. D'habitude, Jésus reste à même le soir pour prêcher l'évangile. Et encore ce n'est pas. Le bateau, la barque de Pierre seul qui était là-bas. Il avait la barque de Pierre, Jean, Jacques. Mais il demande pour Pierre.
et il y a Petro le deux à clou no toi to le yemayo Jacob clou Johannes pas clou han te pas kake Petro toyo obia katele asi. Est-ce que Jésus lui dit pousse-moi un peu? Jésus baba chuchu mi top. Il a travaillé encore. Et ba wo toke pousse-moi vers derrière. Chuchu mi top poivier. Quand il a perdu de pêcher. Est-ce que Pierre prend ton filet, jette le filet. Est-ce que globalement il y avait Petro cho wo doa di doa. Pierre dit maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais il a dit quelque chose. Mais selon ta parole. Et Petro donne ben à Petro, mi di do sambli bo akata mi mele na neke o gake le wonya la nu. Alléluia. Amen. C'est la nuit qu'on trouve de gros poissons. Et ça me yo le na kaga o, mais yan keke mo. Et c'est la nuit que les poissons vraiment viennent. Yes, mais il n'a rien attrapé. Jésus, toi aussi. Moi, je suis le général dans les poissons ici là. C'est moi, je sais comment pêcher. C'est la nuit. Tu ne sais pas. C'est la nuit qu'on entend, ce n'est pas le jour. Mais il dit selon ta parole, bien-aimé, tout ce que ton serviteur, le serviteur de Dieu, tu dis là, il faut agir. Et ça, le Seigneur va te toucher. Dis amen très fort. Amen, c'est. Alléluia. Amen. Honore-le au fond de ton cœur. Proverbe 27, verset 19. Déjà, honore les hommes de Dieu par leur bouche. Il dit, alléluia, alléluia, Dieu va tout moment, mais le cœur est à côté. Non, ne fais pas ça. Blabé, alléluia, alléluia, disons Proverbe 27, verset 19, tu vas comprendre ce que je dis. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je reprends. Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Amen. Le dodo pakba le tabla vevo andre pupu a cheke e globe. Ale sin kume dian kume le chimela. Nenema amebeto pe chisonade amebeto tonui. Amen. Hallelujah. Amen. Je vais m'arrêter ici. Ma sele te pesia. À cause du temps. De gabiata. Hallelujah. Amen. L'ennemi de focus est la distraction, je l'ai dit. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Un roi 20, verset 39 et 40. Un roi. Chapitre 20. Verset 39 et 40. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie manquera de sa vie. Ou tu paieras un talent d'argent. Verset 40. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Amen. Amen. Siao pagbale banto tabla fe pipi, blaton fa shekere, blane e globe. Et si me fiala va inala, et douli glona fiala bena, o dola y avalame, et yekora, nous tu areva heklo, amela venam. Blonam bena, jonu tu sianu, kene ebuila, wa cho wo agbe adu epe agbe tepe, alo, na ta klosalo, talanto de ka, adu etepe, ke esi wo dolala nu, le nu wom, le afikle afimela, amela bu, eye Israel fiala brene bena, wum tue jeseme. Amen. On lui a amené à la guerre, quelque qu'on a arrêté. Oh, la vague, la otra maresto le la plevego. Garde cet homme là. Jonu tu senti? Je sens que tu ne vas pas, il faut le garder. Waoué la baronne dit, lady. S'il est perdu, c'est ta vie qui est perdue. Ne bouille la ouabé. Mais il dit, comme ton serviteur va ça et là. Mais c'est que Osuba là, il te peut mal le faire. Va ça et là. Il te peut mal le faire. Va ça et là. Il te peut mal le faire. Mais après, il est perdu.
Il est parti. On dit, bon, c'est ta vie qui va payer. Ça ne viendra pas d'abord de dire au nom de Jésus. Pour terminer, plus d'être persistant dans la prière. Nous sommes venus pour prier dans cette semaine. Persistant. La persistance détruit la résistance. La persistance. Bon nombre font des erreurs, ils attendent les problèmes pour aller prier. Non, prier, ce n'est pas attendre les problèmes. Prier comme tu respires, prier sans cesse. Peut-être tu étais faible, d'où tu viens à la maison, tout ça, mais dans ces semaines, un réveil va se descendre sur ta vie. Amen. Ton amen est faible. Amen. Je dis, un réveil va descendre sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Persistance. Un jour, Élie est sorti de quelque part. On ne connaît pas le nom de son père ni sa mère. Et il vient devant le roi Ahab. Et il dit, devant le Dieu où je suis là, il ne pleura plus sur la terre, sinon à ma parole. Il est parti. Si aujourd'hui, il est avant de mais il est orgueilleux. Okay. Il parle, un homme de Dieu qui parle comme ça. Qui est Dieu? On ne connaît pas Dieu. C'est ça le problème. Tu es ambassadeur, tu représentes Dieu. Ne pas écrit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il est parti. Et il n'a pas plu. 3 ans et demi. Et c'est lui qui a prié avant qu'il ne pleuve. Si les hommes de Dieu, les chrétiens savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. D'où ils viennent. Un jour. Je me vais terminer comme ça. Josué est parti à la guerre. Avec les Amalécites. Et ils ont commencé depuis le matin jusqu'au soir. Personne ne gagne. Vers 16h, Josué s'est levé. Il dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Lune, arrête-toi à Salom. Jusqu'à ce que je gagne. Il y a des choses, c'est toi qui vas forger. C'est toi qui vas déclarer. C'est toi qui vas parler. Et Dieu va agir. Dans cette semaine, quelque chose va se passer dans ta vie. Et ce que tu n'as jamais vu, Dieu va agir dans ta vie. Et il y aura de changement. Donc, on va dire, je le reçois. Il a déclaré. Pour le soleil. Et la Bible dit, 24 heures, il n'est pas nu. Des fois, les chrétiens appellent Dieu. Connais qui tu es. Dans cette semaine, quelque chose va se passer dans ta vie. Acclamez le Seigneur très fort. Alléluia. Levez les mains. Non, non, levez-vous, levez-vous. Levez les mains, remerciez le Seigneur. Remercions le Seigneur. Disons-lui merci. Roma Sakaribe Katezia Mansoukari Baba. Papa, nous te disons merci. Nous te levons parmi les dieux. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Nous te disons merci, merci, merci pour ce jour. Merci, 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 merci. Gloire, honneur, louange à toi. Brema sakarebe katesia. Mandoro bokotosia mama. Mandele bebe ya baba ya kanda. Shekerebe katesia mama ya. Oh papa, te disons merci. Merci, 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 merci. Merci pour le message que tu nous as donné. Merci, 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 merci. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Adoration, honneur et louange à toi. En ton nom, tous genoux.